Café Congo Buzz Télévision, fidèles internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine Qu'en pense l'Equino. Ce qui est le nom de la commune de Kitambo, précisément dans rond-point magasin, pour nous échanger dans la Imboka, dans la proposition de la loi de finances. Au Premier ministre a mis l'Assemblée nationale un budget à 10 milliards de dollars. Sans plus tarder, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit quant à sujet à mon dit que vous avez Oui, bon, en fait, lecture de déjà normal parce que c'est constitutionnel que le Premier ministre doit normalement aller présenter budget à Mboka par rapport à l'échéance non bien déterminée. Mais du coup, moi j'aimerais plus dans le cadre de la proposition parce que moi j'attends au Bimaka et dans le rapport et répondre à la attente de la population. Donc j'aimerais à ce que monsieur le Premier ministre, dans le cadre de la proposition de loi, il y a finance ou ana, à la plus sur les alliés priorités à peuple congolais les lots parce que nous sentons dans nous disons je voulais dire également que l'IGF qui a fait son travail qui continue de le faire également nous avons la gembongo bazo récupérer bazo kangami de gauche à droite le président de la république également a fait ça l'effort de manière à ce que mbongo la population a bénéficié nango le lengue et saigner la nuit c'est à dire na kata loi ya finance wana. Tout le monde a raté avantage à la plus pour l'institution. Il y a déjà payé Nabiso, Mbon et Bélé, député, président de la République. Il y a un mot pour me dire non, on doit mettre cet argent plus dans la sociale et le peuple congolais. Tout le monde a discours et Bélé. 18 et l'équipe de l'Arabe a discours. Les lots du sous-sous de 3 ans, en gros, de 4e année, année électorale et royale à 2023. Discours dans discours. J'aimerais avant que le président de la République n'a pas un débat si ça peut être un mandat à Bango. La population congolaise pas bénéficier. C'est-à-dire, dans le cas de la loi, je pense qu'il faudrait d'abord privilégier les intérêts de la population en ce qui concerne le social. Est-ce que le budget au fixé à 10 milliards ou est-ce consistant pour répondre concrètement à la bâton de la population? Non, déjà pour être vrai, nous avons une grande population, la RDC. Ça ne va pas répondre, mais il y a lieu quand même à ajuster. Ou soit total à ma priorité, c'est comme je viens de le dire. On ne peut pas aujourd'hui, par rapport à ces montants-là, pour résoudre le problème de ça c'est impossible. Mais du coup, si on doit mettre, même sur les 100%, il y a exécution à budget, bah, tu peut-être 60% pour la mambo et social, pour l'étalie nzala, pour l'étalie logement, pour l'étalie avantage scolarité à peuple congolais. Vous voyez, même dans le système éducatif, que ban na biso ba na décadence baza na na moins retard par rapport à mon COVID-19 koyo ba na baza pénal sur la niveauté. Si on peut relancer également l'enseignement, le système éducatif, sur total côté santé, le président de la République a promis que santé pour tous, santé universelle pour tous, c'est-à-dire santé comme Ophélie. Si on doit privilégier ça, comme on a au moins ça que robot taboué, attends en facilité peut-être il y a foot à 10 000 francs, il y a foot à 7 000 francs. Babiso ou maman qui est na ouente, bah la babiso va surgeler à effet quitta. Car toi, ça c'est comme à 10 000 francs, et comme à 10 dollars, 10 000 francs. Bah, loyer, bah, garantie locative. Bah, ça la mise en application, il y a exécution en haut. Et comme à 3 mois, nous avons la garantie, il y a 3 mois qui a une dame. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est impossible que Bidjo ait répondre à un problème tout au temps. Mais si, par côté, il y a une priorité sociale, il y a peuple congolais, je pense que monsieur le Premier ministre, également avec le président de la République, bon, ça, les locaux aux populations congolaises, ils évitent d'avoir ma peau. Tu regardes la gestion de la santé, tout le monde a aussi un gérant, soit un livre, nous aussi, les gars. Mais je vous dis que Batoyo, Nathana Karate, le professeur Ouazagi n'a pas la corruption à la présidence, j'ai oublié encore le nom. Les messieurs plusieurs fois avaient décrié qu'il y avait des vols, nous sommes au Bambi, voilà. Décrié des vols et des détournements, mais il n'y avait pas la poursuite et tout. Mais aujourd'hui, il y a Gilles Alinghetti à travers IGF. Maman, on en attend ça à 28 ans. Mbongweza et Mboka, pour nous trouver Mbongweza Gindoki. 1 million va payer pour servir la communauté aux humains qui soutiennent la poche pour un individu. Moi je pense que gestion, il faut payer le Premier ministre, cours de compte, il faut là-bas réactiver en Moulfouzou avec l'IGF, encadrer la dépense publique, parce que c'est nous la population. Mbon c'est pour nous. Et ça, on a des devoirs et c'est constitutionnel. Il faut pas rendre compte et exécution à Mbon Wana. Tu as là, tu as vu ça qui peut être 10 000 dollars.
ça sera une très bonne chose. C'est déjà ça la culture de la démocratie. Nous apprenons ça normalement et ça évolue bien. Merci monsieur. C'est moi qui vous remercie. Ndeko. Bon détentif. Ndeko, tu quittes sur le terrain pour échanger na banamboka ou te couti na OSIKA. Nali kambetali proposition à loi des finances. Au premier ministre, Mimi Lelo na Assemblée nationale pour nous débattre. Et toi, mon amboka, ou yambi sa mouana ndenge. Bon, pour moi, tant que moi, je suis un peu plus jeune, mais c'est un roi, mon aîné était moi et c'est un. Pourquoi? Parce que je suis sûr que non, Banda gouvernement, ça m'a le compte de Banda, ils ont pété, ils ont pété. Ils ont première position, première proposition, ils ont dans l'assemblée pour la vidéo. Ils ont coûté bien, mais quand on a le roi, on a vu ça au Congo. Parce que quand nous voulons voir et puis observer dans le gouvernement, de tout le monde, ils ont des minènes, ils ont des montants, ils ont piqué crise. Maintenant, la proposition est bidée dans nos boulets, peut-être que nous avons 20-25 milliards. Mais nous avons mis 10 milliards pour Banda, pour Banda 10 milliards et comment nous. Nous avons 10 milliards en aide, c'est consistant, pénzant pour épaler et associer la population. Bon, il y a des gens qui ont dit que nous sommes en ministre, il y a des nombres de population, il y a des nombres de habitants. Il y a des gens qui ont dit que nous sommes en ministre. Il y a des gens qui ont dit que nous sommes en ministre. Il y a des gens qui ont dit que nous sommes en ministre. Il y a des gens qui ont dit que nous sommes en. Je vais identifier nos toits et nos soins. Nous avons touché nos priorités au coup de banane. Nous avons proposé des bananes précisément. Bon, premièrement, vous savez, le ventre enfermé dans le point d'oreille. Premièrement, c'est lié. Parce que ceux qui sont liés, c'est Hollande Ciment. N'assure que nous avons un peu de veste, nous avons une liberté. Nous avons jamais un peu de temps. Il y a un peu de temps pour aller aux Amaras pour aller aux Amaras. Nous avons un peuple social, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Ceux qui m'ont toilé, ils ont l'obat. Pour déjà attendu, vous voyez le bête en sol, vous voyez, vous avez un allié, vous avez un allié déjà. Il faut que vous ayez un côté de l'obat. Vous avez 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 un côté. Oh, il va bien à Nini. Le coso, pour la coïba, pour la coboya, pour salé la macambo, le coso, on va battre, on va battre, on va battre, on va se battre. Bota la paix, petit peuple, on va souffrir fort, on va se battre, 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 on va. Ndeko te kiti sur terrain ko échanger na baimboka na likambetali proposition à loi des finances au premier ministre Mimi Lelo na assemblée nationale pour na ko débattre et to mon amboka lecture nuno sali par rapport na yango. Merci na ebi ke mboka na bisambo wa munene de par sa superficie de par aussi ses richesses les amo mo zo mérité un budget conséquent parce que les défis sont tellement grands. Mais le budget que nous avons ne reflète pas nécessairement la grandeur de ce pays. C'est pourquoi moi j'aimerais avoir au moins bateau, les gens qui rêvent grand pour ce pays. Alors proposer un budget de 10 milliards, je trouve que c'est encore insuffisant. C'est pas vraiment suffisant. C'est pas à la hauteur de notre pays, ce n'est pas à la hauteur de la dimension continentale que nous avons. Les Congo en tant que pays, nous devons avoir un grand budget. Et le budget là est possible, aller au-delà. 20, 30, 40 milliards, c'est possible. Si nous nous mettons au travail, si nous mettons à assainir les finances publiques, si nous mettons à faire des choses qui vont dans le sens que l'État, les gens prennent conscience que non, nous devons nous-mêmes construire ces pays et cela passe par les impôts, cela passe par les taxes. Je pense que nous avons habité mon mounéne. Mais la proposition, on a habité en 2022, je pense que bon, ce n'est qu'un pas. Nous allons de mieux en mieux. D'accord. Pensez-vous que ce budget de 10 milliards est consistant pour pallier à la situation sociale du peuple congolais? Je pense que la situation sociale de notre pays, ou bien du peuple congolais, c'est un grand défi. C'est un grand défi qui, si vous prenez les 10 milliards, ce n'est pas suffisant.
nous avons des militaires à payer, nous avons des fonctionnaires à payer, nous avons les emplois à créer. L'État doit voir grand. Mais les 10 milliards là, je pense que c'est un pas. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas à la hauteur, ce n'est pas à la hauteur des tâches qui nous attendent. Ce n'est pas à la hauteur des problèmes, des difficultés qu'a la population congolaise. Je pense que ce n'est qu'un pas, mais je pense que ce n'est pas conséquent. Si on doit faire un sondage pour sélectionner quelques priorités, sur quoi devons-ils d'abord commencer? Nous devons consolider la paix. Donc, que le Congo tout entier soit en paix. Dans la sécurité avant, l'éducation, et je pense aussi qu'il faut lutter contre le chômage. Il faut lutter contre la famine. Il faut viser sur l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire. C'est sur base de ces choses-là sur lesquelles nous devons travailler. Donc, si on bâtit le Rwanda en priorité, je pense que non, ça va aider la population, ça va booster les succès de la population et aux alamalans pour l'amour à la mission. Et toi, mon amour, quand il y a un peu de gérer le budget, il y a un peu de temps. Vous avez une parcelle de responsabilité. Prenons au moins, qu'est-ce que le peuple demande? Le peuple veut quoi? Bato basana balabala wana. Kota la bato basana mona bureau te basana balabala balini nini. Que les autorités prennent au moins le temps d'écouter la population. Qu'est-ce que le peuple veut? Les gens veulent quoi au juste? Dans ce bas sondage de la population, on dit que le peuple a zolinganini. Je pense que permettre bango tant que non, je le fais par rapport à ce que le peuple attend. Donc, le ministère, quel que soit le ministère que nous occupé, c'est pour que la population se retrouve. Je pense que le résultat, c'est que vous allez un résultat compté pour la satisfaction, cette satisfaction plutôt des besoins de la population. Merci, monsieur. Merci. Ndeko. Bonne madame. Ndeko, tu es sur le terrain pour échanger na Imboka, tu es au Sika, tu es dans la proposition de la loi de finances. Au premier ministre Azo Memalelo na l'Assemblée nationale. Et toi, mon amboka, lecture nous aussi par rapport à nous. Merci pour nous, mon tourna. Nous avons servi ce que nous avons par rapport à la proposition de la loi de la finance, nous avons une augmentation. Il y a un budget 10 milliards, c'est déjà un pas vers le développement. Nous avons besoin de la sincérité. Na bawo ba ko voter loi pe na bawo ba ko exécuter ya mo sincérité ça c'est dit sincérité ça tient vraiment et tout ça la passe parce que avec Kabila il y avait toujours des lois de finances, il y avait toujours une budget bien déterminé. Est-ce que ça l'a qui exécuté? Question. Combien oyo ba salé la qui? Combien oyo qui t'a la qui? Nous avons la sincérité, les députés ont voté Yango, et l'exécutif a exécuté Yango avec sincérité normalement. Nous avons été sentir que nous, moi, changement est possible. Parce que 10 milliards de députés à Yango, peut-être par écrit, ou soit une récitation, il y a un peu de mais en action, toujours sentir le nouveau. Est-ce que le montant on va fixer à 10 milliards ou à Naïsa consistant pour répondre concrètement à la battante de la population au Tozali? Bon, et ça consistant parce que nous tendons vers les 100 millions d'habitants. Bien que Baloba a 80 millions, mais nous tendons vers 100 millions. Avec 10 milliards, c'est un tiers. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Et ça qui est conscience y a pas et ça par rapport y a pas secteur ministériel parce que secteur non ce que ça en montant quelque chose et montant quelconque y a pas salé pour montant on a sauté commun à secteur on a sauté pas salé ni en mode au moins que ce que ça l'a produit. Le problème c'est la conscience. Il y a que non 10 milliards et ça mouké. Mais na oyo mouké oto kozwa wana to sale na yango de façon que est relevé. Toko banda kamba na moko na ba 100 milliards. Mais na ndambo wana mouké wana to kende nango na ba objectif. Na yango soki ba okiko simba na ba objectif, priorité ba okiko banda na nini précisément?
Bon, les peuples d'abord, on a des visions à Bangote. Ils ont le chef de l'État, ils ont le gouvernement, ils ont le député Bangoni Sobalo. Bangoni Sobalo Baka et le Belimoko. Tout s'adhérer à la vision du chef de l'État, peuple d'abord. Le peuple d'abord veut dire le social de la population. C'est sa priorité, Yangoana, social et peuple congolais. Santé, logement, éducation et aussi les produits surgelés. Social et la population, misère et l'équipe. Quand même nous qui sommes dans la capitale, on est quand même un peu bien. Mais dans la province, qui est en train de faire nos sociales et le peuple congolais, va améliorer nos conditions de vie. Na loi budgétaire, pour améliorer notre situation sociale et le peuple congolais. Des priorités en moi. Et moi, je suis en train de faire des choses gérer le budget. Bon, je suis en train de faire des choses. Les députés ne sont pas sur le liste. Les députés sont gérés, les exécutifs sont gérés, les finances sont contrôlées. Si vous avez des députés, vous ne pouvez pas faire. Je ne sais pas contrôler la capitale. Autant que je ne sais pas si le secteur non ministériel. Nadine a été contrôlé par le terrain et ça l'a exécuté. Ma priorité, c'est ça que le Sénat a demandé à Yangwana. Nous sommes en salle pour le Sénat. Que chacun donne le meilleur de lui-même. Merci. Merci. Ndeko tokiti sur terrain ko échanger na bayimbo kanali kambetali proposition ya loi ya finance wezo mema malelo na assemblée nationale pour ba débattre na yango. Etant mon mboka lecture nino sali par rapport à ya sujet wana. Bon. Makambo mboka na biso vraiment biso est compliqué biso na mitu fort par rapport ya makambo et salama et la réalité. Par rapport à nous, comme on a bien mis l'exemple à 10 milliards, on a mis Et bien, il y a un montant qui est en train de se faire. Pour aider les gens, pour aider les gens, on a un échange. On a vu un échange qui est comme cher pour un dollar. Et ça, c'est un dollar. Vous comprenez? Dans le pays, il y a un dollar qui est en train de se faire. Il y a un dollar qui est en train de se faire. Il y a un dollar qui est en train de se faire. Il y a un dollar qui est en train de se faire. Dollar qui est en train de se faire. Un dollar qui est en train de se faire. 200. Ceux qui ont 10 dollars, ils changent 20 000 francs. Sommes. Vous comprenez? Ceux qui ont 10 dollars, qui cotisent pour nous, sont pantalons. Ils ont salé somme. Ils ont un pantalon, ils ont mis okay. Tout pantalon, ils ont bizarre. Vous comprenez? Quand vous avez voté, l'État est bimé. Vous avez un mystique. Il faut changer le moyen. Vous avez mis un montant, vous avez bimé ici. Vous avez classé. Vous avez mis un dollar, vous avez dissipé. Vous avez mis un changement. Omani bazobi misaka pona mbo na bango ba tchango na poche et ça la biso bien te faut ba sala ka ba bimisi ne ba bimisi monta mbongo ba publier ngo tant ba publier ngo population avec garçon mais côté dollar to mani ba makamo dollar ekiti moi so dollar ekiti combien ta ba 15 o comprendre to comprendre que dollar ba sanini bidé a biso sanini mati
bien habillé sur Zaka et Mati, mais tout le monde a réaction à mon côté. C'est dans la sens fait. Néanmoins, étant mon ambo, quand l'Iloba nous a souk en autorité, au Bassimi, Makambo, on a fait au Tchémois lit son économie, l'Iloba nous a souk et Zani. L'Iloba nous a souk et Zani, Bissandé, mon congé en boca. Vous comprenez? Mon congé en boca, il m'a souk à ma bisounion surtout. Ce qui est le mouvement Abino, moi, récite moi, il y a qui est Matissi Montan et Bigué, exemple à côté Bigué, Matissi. Population, ça n'a pas ça, ce qui Bigué et Mati, Babino, il y a Zandou et Kita, il marché et Kita, dollar, il y a un montant, il y a 20 000 ans, et comme il y a 15 000, il y a un montant, montant, il y a 93. Vous comprenez? Tout le bien qui t'a mal à mon gagnant sauté. Quand il y a qui t'a mouqué, mouqué, vie est moins cher. Les lois en Nako, pour la foutre là, Nako, il y a 500 dollars garantis. Tu bêtes à ce que 500 dollars en France. Tu mis ça combien? Bah, 1 million. Comment? Il y en a sens. Il faut pas ça, la magamoussou, le roi, tout ça, beaucoup, mon côté, la bisou, il y a un peu. Ce qui est basé à la place, il y a une 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 chance, il y a une place, il y a une place, il y a une place. Bisous dans la poste, bango basala, bisous pour tout ça, nini, tolia, tout vivra bien. Merci Ndeko. Merci. Ainsi prend fin cette émission, vous étiez nombreux à suivre les avis des uns et des autres quant au sujet donné. Si les images d'aujourd'hui vous ont plu, disons tous un grand merci à Badjombou qui était derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. J'ai saisi également l'occasion pour faire un clin d'œil spécial à Papa d'Acœur, Papa d'Achou, le cœur de Maman d'Air, à Parrainant, Parrainant, bonjour Papa, bonne journée à vous, d'ici là, portez-vous bien, ciao.